mon amour pour les animaux, c'est vraiment depuis toujours, là. J'étais toute petite, puis on a eu des lapins chez nous. Puis je me souviens quand j'étais petite, quand on faisait des vœux, là, c'était notre fête. On disait la même chose en même temps que nos amis, mais mon rêve, c'était toujours « je veux avoir un chien, je veux avoir un chien ». C'était vraiment quelque chose de fort. Je sais pas d'où ça vient nécessairement, mais c'est quelque chose qui est là en dedans depuis toujours. Mon nom, c'est Sarah Mius. J'ai grandi à New Richmond, en Gaspésie. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence. Après ça, je suis allée au cégep à Carleton. Et après ça, je me suis dirigée à Québec, à l'université, pour faire mon bac en travail social. Puis je me suis retrouvée finalement à rester là-bas pendant presque 10 ans de temps. Donc, c'est ça, j'ai travaillé là-bas, surtout dans le réseau de la santé et des services sociaux. Mais je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement peut-être là, ce que je voulais faire, ça cadrait pas nécessairement avec moi. Donc, je suis revenue en Gaspésie, c'était quelque chose qui m'avait toujours vraiment interpellée. Je m'ennuyais de la nature, de la mer, de la famille aussi. Donc, la décision a été quand même assez facile, je suis revenue m'installer ici. Je me suis acheté une petite maison à Maria. Puis j'ai fait, après ça, différents contrats, plus dans le milieu communautaire. Je voulais explorer cette avenue-là. J'avais fait plus le réseau public, fait que là, je voulais explorer d'autres choses. Fait que ça a été super intéressant aussi. J'ai fait des choses diversifiées, mais c'est ça, il y avait comme toujours quelque chose qui me manquait. J'avais vraiment envie de faire des projets en lien avec les animaux. En fait, j'ai fait une formation en zoothérapie, c'est ça, pendant que je travaillais, mais je n'avais pas eu l'occasion encore de travailler dans ce domaine-là, mais ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse, les animaux, puis comme une passion, vraiment. Donc, je voulais essayer de faire quelque chose par rapport à ça, mais j'avais de la difficulté à trouver en Gaspésie quelque chose que je voulais faire ou en tout cas qui me plaisait. J'avais une petite idée de peut-être une fermette, mais ça, je trouvais que ça m'attachait vraiment beaucoup, puis j'étais pas prête à ça présentement. Je savais qu'un coup que j'allais avoir les animaux, j'allais pas vouloir m'en débarrasser. Fait que j'avais aussi jamais vécu à l'extérieur du Canada, puis c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Donc là, après un contrat en 2018, à l'automne, je me suis dit que c'était le bon temps pour le faire. J'avais pas d'attache. Puis, donc, je suis partie pour 1-2 mois toute seule en Thaïlande. Et j'ai fait du bénévolat dans un sanctuaire pour chiens. Puis, finalement, je suis restée un petit peu moins longtemps que prévu à cet endroit-là. Puis, j'ai continué à voyager. Finalement, j'ai découvert un autre endroit parce que je voulais peut-être faire du bénévolat ailleurs, compte tenu que j'avais resté moins longtemps au premier endroit. Puis, j'ai découvert un endroit super génial qui s'appelle Ireland, qui est une réserve naturelle. Puis, finalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience, puis c'était vraiment dans les cordes un peu de ce que j'avais envie de faire. Donc, après mon voyage, je suis revenue ici en Gaspésie. J'ai travaillé pendant 6 mois de temps en ayant dans la tête que j'allais retourner, parce que tout s'est vraiment comme placé pour que ça soit facile d'y aller pour que je puisse essayer cette expérience. Ireland, c'est une réserve naturelle. Donc, c'est deux personnes, en fait, qui ont décidé de protéger comme une partie de terre qui sert un peu de corridor de passage pour la faune. Entre autres, les éléphants sauvages, parce qu'il y a des éléphants dans ce secteur-là. Puis, il y a vraiment des problématiques, il y a beaucoup de conflits humains-éléphants parce que les éléphants sont d'un côté de la rue. Il y a comme une réserve faunique qui est
gouvernemental qui est protégé. Puis il passe la journée là habituellement, puis le soir il traverse la rue, puis il traverse de l'autre côté pour aller boire à la rivière. Donc ils ont beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup des agriculteurs, puis les éléphants vont manger les récoltes, vont boire l'eau de pluie qu'ils ont récoltée. C'est sûr qu'on peut comprendre qu'ils sont pas toujours enchantés de ça. Fait qu'il y a des gens, des fois des éléphants qui meurent, il y a des gens qui meurent. C'est vraiment comme un conflit qui est très complexe. Donc, cette partie de terre-là, le but, c'était vraiment de la protéger puis de s'assurer que les animaux puissent circuler là librement puis en sécurité. Puis après ça, bien, ils ont fondé un petit éco-village au milieu de la réserve qui est axé sur le développement durable puis sur un peu l'autosuffisance. Donc, il y a beaucoup de touristes qui vont visiter cet endroit-là, beaucoup de groupes de jeunes. Donc, c'est vraiment toutes des activités pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement puis essayer d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Le projet en tant que tel, c'est vraiment inspirant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir quand on va là, puis aussi un sentiment que tu peux faire un changement. On s'en va au chalet de ski de fond à Maria. Il y a des super belles pistes de ski de fond là-bas, puis c'est un endroit où j'aime vraiment aller. Qu'est-ce que t'aimes de revenir en Gaspésie? Qu'est-ce qui te manque le plus à Gaspésie qu'à Maria? C'est sûr, la famille, les amis, la mer. La mer me manquait beaucoup. Je suis comme vraiment une personne d'eau. Là-bas, il y a une rivière qui est proche. Mais ça reste que c'est pas pareil comme la mer. Sans attache. Donc, moi, je suis quand même quelqu'un qui n'est pas très matérialiste dans la vie, fait que j'avais pas d'emblée beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de comme, me libérer aussi de tout le matériel. Mais je sais pas pourquoi, on avait tous un peu l'impression que j'allais comme partir longtemps. Peut-être parce que ça faisait plusieurs années que je cherchais quelque chose, que je voulais vraiment faire. Puis là, ben, tu sais, c'était vraiment un projet qui était super intéressant pour moi. Donc, ça a été quand même émotif, mais ça s'est bien passé. Je m'ennuie, oui, mais je suis pas très ennuyeuse. Je pense que ma mère aussi, on n'est pas des personnes qui vont appeler tout le temps. Mais je m'ennuie quand même, surtout quand je parle, on dirait. Puis c'est sûr que mes petits neveux nièces, c'est comme ça que je trouve difficile d'être loin et de ne pas les voir grandir. T'sais, on se voit par vidéo, mais c'est pas nécessairement la même chose. T'sais. Très contente qu'elle soit ici, premièrement pour la voir en chair et en os, puis aussi pour qu'elle puisse un peu revenir dans son milieu, voir ses petits-neveux, ses nièces, ses petites-nièces, puis l'avoir parmi nous. Puis je trouve que ça lui permet aussi de faire un comparatif
Parce que d'y avoir été la première fois en touriste et de vivre là, c'est sûr que c'est pas la même affaire. Puis, ben, il faut faire chaud, là, bientôt. Puis je pense qu'au niveau du confort, c'est le fun qu'elle soit ici de ce temps-là. Fait que, elle va retourner, puis moi, j'irai la voir à l'automne prochain. Mm. Je trouve que là, elle était partie 7 mois. Je suis contente qu'elle soit ici, mais je pense que c'est pas assez 7 mois pour savoir si c'est fait pour moi, ce genre de vie, parce que c'est une adaptation incroyable, là. C'est la Thaïlande. Mais c'est pas juste la Thaïlande, c'est le genre de site où elle vit, l'endroit où elle vit, qui est déjà quelque chose un peu plus haut en termes d'adaptation. Fait que moi, je suis contente qu'elle retourne parce qu'il faut qu'elle vive un peu plus longtemps pour savoir si c'est fait pour elle ou pas. Puis, bien, si elle revient pas permanent, elle va venir pareil, faire des tours d'un mois, 2 mois, 3 mois. C'est juste une question d'argent, là. Puis de billets d'avion, c'est tout. Là. Ici, elle aura toujours une place à rester, elle a toujours son père, moi, sa soeur, son frère. Ça fait que non, l'important, c'est qu'elle soit heureuse. Puis je me dis, bien, c'est ça, quand on a des enfants, on aime les avoir proches, mais les savoir heureux, être dans leur élément, c'est encore plus important pour moi. Bye, ma belle. Bye. On s'en va. Bientôt. Ça m'a fait plaisir. Oui, merci. C'était le fun. Bon. Je retourne dans 2 mois. J'essaie de ne pas avoir trop d'attente. J'y vais vraiment dans une optique de, tu sais, je vais voir comment ça se passe, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a la réflexion de, est-ce que je veux rester là-bas à long terme ou est-ce que je veux rester ici? J'avais comme pendant un petit bout de temps un peu des comparaisons qui se faisaient dans ma tête. C'est sûr que c'est comme très différent le rythme de vie là-bas. Mais... là, il y a vraiment encore des choses qui m'appellent là-bas. Fait que tant que je vais avoir envie de rester là-bas, puis je pense que je peux vivre des belles expériences, puis je vais voir au fur et à mesure ce que j'ai envie de faire par la suite.